C'est quoi le premier truc que vous avez fait en allant sur Internet? Je suis allé sur le site de Fox Kids. Voilà. Je sais plus, moi. Moi, j'étais allé sur Voilà Chat. Ouais, bah putain. Bonne première expérience, ça, non? Ah bah le truc de discuter avec des gens, je trouvais ça fou, en fait. Ah oui, non, mais je comprends. Avec des gens en restant chez toi. Moi, je pense que c'était ça, mais sur Caramel. Et puis après, voilà. Et la chose suivante, c'était d'aller sur Goa.com. Moi, ça devait être FoxKids.fr ou Rotten.com, un truc comme ça, je pense. Moi, c'était IM et Caramel avec ICQ et ce genre de truc, là. Oh, Abo, j'ai passé pas mal de temps sur Abo aussi. Ah ouais, Abo un petit peu. Ah oui, bah c'est la première fois que j'avais du RP sexe dans un jeu, hein, de toute façon. Ah bah, Abo Hotel, de tous, hein, je pense. C'était le bon temps. Non, putain. Abo Hotel. C'est trop bien de baiser sur Abo, quoi. Putain, ça a dans la piscine, là. C'est trop bien de baiser sur Abo, quoi. Premier MMORPG, hein. Jamais eu de baise IRL qu'on topait les baises Abo, quoi. Ah non, les baises Abo, c'était les meilleurs. Arrêtez. Ça, c'était la bonne époque, ça. Putain, je me souviens que j'avais une afro dans Abo Hotel, c'était insane. C'était mieux avant. Jamais joué à ça. Mais tout le monde avait une afro. C'est pas un jeu, en vrai. Non. Moi, je joue à la quatrième prophétie. Si, ouais, il y avait le mouvement des afros dans Abo Hotel. On va pas spoiler RPZ2, par contre, s'il vous plaît. Je bloquais les piscines, là. Je faisais des MMO. T'allais jouer à des jeux flash sur usinagaz.com. Ah oui, usinagaz, bien sûr. Oh, mini-clip. T'avais le lombric aussi. Yeti Sport. J'ai envie de mettre la musique. Oh, Yeti Sport. Moi, j'avais mon jeu flash préféré à jamais, c'était le jeu du barman qui devait faire des cocktails. Vous voyez ou pas? Non. Et tu devais non. faire des recettes, et souvent, il mourait d'une manière vraiment approprie, parce que sa recette, elle pue la merde. Je me souviens que... J'ai passé des heures. J'ai découvert Internet, c'était vraiment juste après le 11 septembre, et du coup, il y avait tous les mini-jeux, c'était que des mini-jeux où tu devais tuer Ben Laden, je m'en souviens. Ah, c'est vrai, comme je comme ça. Vient quelque chose, en vrai. Il y en a eu beaucoup, des jeux. Il y en a eu beaucoup, beaucoup. Hein. Mais tu sais qu'il y a eu une période où les jeux, y vraiment, tu pouvais mettre n'importe quoi, et c'était dingue. On avait fait des recherches de jeux... Il y avait une catégorie sur ça. On avait fait des recherches de jeux comme ça, complètement tarés. Il y avait un jeu qui s'appelait Nettoyage ethnique. Oh, oh là là. C'est vraiment, tu pouvais sortir n'importe ouais, quoi. Ça a bien changé, est-ce que tu dirais que c'était le bon temps, Fred, finalement? Parce que tu pouvais. On peut plus rien dire maintenant. C'est... Voilà, c'est...